C'est le bleu, chef. Soupe ? C'est quoi ce nom à la con ? Nicolas est dans la merde, et on va l'en tirer. On ne laisse pas tomber nos amis. Allons-y. Zakaev. Imran Zakaev. Mon sang. Sur leurs mains. Delta 1 à X-ray, on a un missile lancé. Je répète, on a un missile lancé. Plus les choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qui nous haïrait pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Et quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, sergent Follet. Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur. Bienvenue au royaume de la gâchette. Le soldat Allen va vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Vous fâchez pas. Et j'en vois plein qui tirent à la volée et arrosent tout le champ de tir. C'est le meilleur moyen de pas toucher sa cible et de passer pour un crétin. Soldat Allen, montrez-leur ce que je veux dire. Prenez cette arme sur la table et tirez sur les cibles derrière vous. Retournez-vous et visez les cibles. Tirez pas avec le viseur. J'essaie de leur expliquer ce qui va pas. Tirez normalement. Vous avez vu ? Il a arrosé tout le champ de tir. Pour être efficace, adoptez une position stable et utilisez le viseur pour sélectionner vos cibles. Soldat Allen, montrez à nos amis comment un ranger abat une cible. Accroupissez-vous, puis regardez dans le viseur. C'est la base, vraiment. Si vous voulez abattre votre cible, il faut la viser avec le viseur. Le viseur... Regardez dans le viseur, puis changez de direction pour passer d'une cible à l'autre. Montrez-leur, soldat. Si une cible est proche de l'endroit que vous visez, passez rapidement en mode viseur pour l'avoir en joue.
C'est comme ça qu'il faut faire. Le but, c'est d'abattre les cibles rapidement et efficacement. Si votre cible se cache derrière un abri léger, sachez que certaines armes peuvent malgré tout la toucher. Le soldat va vous faire une démonstration. Touchez la cible derrière le panneau. Enfin, il est essentiel de savoir lancer une grenade. Soldat Allen, prenez des grenades à fragmentation sur la table. Lancez une grenade dans le champ de tir pour abattre plusieurs cibles d'un coup. Bien. Les grenades roulent si le sol est en pente. Alors réfléchissez à deux fois avant d'en lancer une si c'est le cas. Parfait. Merci pour votre aide, soldat Allen. Maintenant, rejoignez la fosse. Le général Shepard veut vous voir sur le parcours. Alors, qui veut passer le premier? Montrez-moi ce que vous avez appris. Bonjour soldat, bienvenue dans la fosse. Il paraît que le général Shepard veut confier une mission spéciale à notre unité. Il est venu en observation. Bon, vous avez déjà votre arme de poing. Ok, prenez votre arme de poing. Alors, c'est rapide, hein? Prendre votre pistolet est toujours plus rapide que de recharger. Souriez pour les caméras et visez juste. Shepard vous observe. Le meilleur tireur rejoindra l'escadron d'élite, si ça vous intéresse. Bon, allez-y. Le chrono démarre dès que la première cible apparaît. Je comprends pas que ce soit vous qui passiez le premier, Allen. Les Rangers peuvent pas faire mieux que les forces spéciales ou la Delta Force, mais bon, les groupes bondes sont venus pour vous. Et ces positions de défense à la noix, quand est-ce qu'on va passer à l'action au lieu de pouponner les SEALs et les Delta Boys, hein? Rejoindre votre groupe, ou vous pouvez aussi recommencer le parcours. Très bien. À tous les auditeurs, rejoignez votre groupe. On s'en va. Ils ont fait sauter le pont. Il faut qu'on bouge. Tout le monde dans les véhicules. On s'en va. Notre armée est la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Chaque combat est le nôtre. Parce que ce qui se passe ici a de l'importance là-bas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. La maîtrise des outils de la guerre moderne est ce qui permettra à votre peuple de se développer au lieu d'être anéanti. Nous ne pouvons vous offrir la liberté,
mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Et ça, mes amis, a plus de valeur qu'une armée entière de blindés. Bien sûr, la taille de l'arme a de l'importance, mais ce qui compte le plus, c'est la personne qui l'utilise. C'est l'heure des héros. L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. Celui de gauche ou celui de droite? Celui de gauche. Hey, ils sont pas un peu trop près, les mecs, là? Depuis quand Shepard se préoccupe de ça? Bataillon en mouvement! C'est bon, on va y aller! Regardez, le bâtiment s'effondre! Hunter 2, je me détache. Bien reçu, Hunter 2. À tous les Hunter 2, faites gaffe avec les civils. On attaque que s'ils nous tirent dessus. Cherchez l'ennemi sur les toits. Restez concentrés. Tu vois quelque chose? Rien du tout. C'est mort par ici. Waouh. Overlord, ici Hunter 2-1. On passe le tunnel Harvey et la rue Elisabeth. Bien reçu, Hunter 2-1. Soyez prudents. Gaffe à vous, les gars. C'est le Far West, ici. Compris. Surveillez les ruelles. On les couvre. Trois ennemis sur le balcon à 12 heures. Sûrement la milice. Ils sont armés? Négatif. Ils observent. C'est tout. Pareil qui nous espionne. Ça veut pas dire qu'on peut les buter. Vous les voyez? Vous les voyez? Je vois rien du tout! À tous les hunters, ici le sergent Follet. Préparez-vous à l'attaque. Il y a des tireurs embusqués. On va se les faire! On a plein de contacts, devant et derrière!
bien ? Bouha ! Armure à l'étage. Surveillez les mouvements ennemis. Soldats à terre ! Lancez-moi une grenade flash à l'intérieur. Avancez! On doit soutenir Hunter 2-3. L'école est sécurisée et l'ennemi se retire du secteur. On est en train de faire le ménage. Bien reçu, Hunter 2-1. Soyez prudent jusqu'au point de ralliement. Il y a peut-être des prisonniers de guerre ennemis. Terminé. Bien reçu, Overlord. Merci du conseil. Terminé. Attention aux très larges ennemis, les gars. Tous au point de ralliement. Cible verrouillée. Oh!
ramener mon hélicoptère. Bien joué, messieurs. La ville est à nous. Soldat Allen, c'est à moi que vous répondrez dorénavant. Je vous brieferai dans l'hélico. En route. Bataillon en mouvement! J'ai l'air de quoi ? De l'un de nos ennemis. C'est parfait pour votre mission d'infiltration. Alors c'est Makarov, la récompense ? Une récompense ? Non. Makarov a votre nouvelle identité. Ça peut vous 141, le meilleur groupe de combattants de la planète. C'est un honneur, monsieur. Quand vais-je rencontrer le reste de l'équipe ? Ils sont en mission pour récupérer un ACS derrière les lignes ennemies. Ils ont dû se mouiller ? Ils sont sûrement en train de se les geler en ce moment. Reste là et regarde-moi. Attends mon signal. C'est bon, la glace tient. Suis-moi. Bonne chance, mec. On se retrouve de l'autre côté. Ces crétins se doutent pas qu'on est là. On va y aller en douceur. Tu prends celui de gauche. À 3. 1, 2, 3. Bien joué.
tempête se lève. C'est par en haut. Je vais te surveiller du haut de cette corniche avec la lunette thermique. Profite de la tempête pour entrer dans la base. Dans ce blizzard, tu seras un vrai fantôme. Les gardes te verront qu'au dernier moment. Surveille ton capteur. Bonne chance. Ou quoi? Allons-y. Pas. Je suis le maître, Petro. Sans vous obéir. Roger.
passe au plan B. Le reste de la Task Force 141 a apporté la CS, Allen. Deux hommes ont éliminé toute une base. Je vais vivre. Le front, c'est du passé. Les uniformes aussi. La guerre se joue partout, et il y aura des victimes.
Makarov combat pour lui-même et n'obéit à aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien, torture, trafic humain ou génocide. Il n'est guidé par aucun idéal et ne respecte aucun drapeau, aucun pays. Il échange le sang contre de l'argent. C'est votre nouvel ami. Je ne vous dirai pas ce que ça a coûté de vous faire venir près de lui. Ça vous coûtera une part de vous. Ce qui n'est rien en comparaison de tout ce que vous sauverez. Armez vos munitions. Ça fait longtemps que j'attends ça. Comme nous tous. Террористы могут пройти через подземный туннель. Прием.
Contactez sans délai. Ça, un message. Ça, c'est un message. L'Américain croyait qu'il pouvait nous avoir. Nous découvrons le cadavre. La Russie entière voudra la guerre. Les Russes vont sûrement pas fermer les yeux sur ce massacre. Ça va pas être beau. C'est vrai. Mais aux yeux du monde, ce sont eux les victimes. Personne ne lèvera le petit doigt quand les Russes se mettront à abattre les Américains. Makarov avait un temps d'avance. Il a laissé des milliers de cadavres aux pieds des Américains. Nous seuls savons que c'était Makarov. Notre crédibilité s'est envolée avec Allen. Il nous faut des preuves. Suivez l'obus. Alejandro Rojas. Jamais entendu parler. Vous le connaissez, c'est Alex le Rouge. Il a organisé l'assaut. Une balle pour déclencher la colère de toute une nation. Ce qui veut dire... qu'il nous mènera à Makarov. Ghost, les plaques correspondent. Bien sûr. Aucun signe du bras droit de Rojas. Négatif. Ils sont déjà arrêtés deux fois. Aucun signe de lui. Attends, il s'arrête encore. Quitte pas. Il est identifié. Je sais pas qui sont ces types, mais ils sont pas contents de le voir. Ghost, je crois qu'on a un problème. Baisse-toi, baisse-toi. Ghost, le chauffeur est mort. On est à Pinsk. Retrouve-nous à l'hôtel Rio et tâche de lui couper la route. Compris, j'y vais.
Tire-lui dessus! Il est touché. Roach, ça va prendre un peu de temps. Va avec Miteroys fouiller la favela pour retrouver Rojas. C'est par là qu'il est allé. On y va. N'oubliez pas qu'il y a des civils dans la favela. Alors regardez autour de vous avant de tirer. Mite, sors ces civils de là. Compris. Bravo 6, attention. On a engagé la milice ennemie, en bas du village. Oh, je suis avec toi. Surveille les toits, vas-y. Bien sûr!
On a récupéré le colis. Je répète, on a récupéré le colis. QG, on est prêt à évacuer. Envoyez l'hélico. Nos coordonnées sont... Bordel, le ciel est dégagé. Envoyez l'hélico. Vite! Le QG est complètement à la ramasse. On va devoir se démerder.